Bonjour et bienvenue à tous pour cet essai dynamique de la nouveauté très attendue de chez Renault, la nouvelle Mégane E-Tech électrique. 100% électrique, cette compacte nouvelle génération accueille sous son capot un moteur synchrone à rotor bobiné entièrement nouveau. C'est sa version la plus puissante de 160 kW, équivalent à 218 chevaux et 300 Nm de coupe que nous essayons aujourd'hui. Allez, on est à bord, on accélère et on s'élance bien sûr. Dès les premiers tours de roue, on est conquis par la direction assistée très agile et directe. Grâce à son rapport de démultiplication parmi les plus bas du marché, cette direction répond immédiatement à la moindre sollicitation et les angles volants sont contenus. Un vrai régal sur route comme lors des manœuvres. Spécifiquement conçue pour les véhicules électriques, cette structure fait de la Mégane E-Tech un véhicule léger, équilibré et rigide. Avec un poids de 1624 kg sur la balance, on a un poids inférieur d'une centaine de kilos par rapport aux concurrentes à batterie équivalente, grâce notamment à des ouvrants en aluminium et une porte de coffre en composite. La plateforme a également permis l'implantation d'une batterie sous le plancher pour une répartition optimale du poids. La batterie ne pèse que 395 kg et ne fait que 11 cm d'épaisseur. C'est la plus fine du marché. Grâce à cela, le centre de gravité de la Mégane E-Tech électrique est très bas. Il est même 9 cm plus bas que la Mégane thermique. Cette batterie est structurelle puisqu'elle participe à la rigidité générale de la voiture. C'est bien pour la sécurité et pour le dynamisme. Et en termes de dynamisme, cette Mégane E-Tech n'en manque vraiment pas. Mais lorsque nous avons mis au point le châssis de cette Mégane E-Tech électrique, nous n'avons absolument pas oublié le confort. Nous avons développé un amortissement spécifique qui permet d'obtenir un compromis confort-comportement optimal. Avec ses 4 roues de 20 pouces positionnées aux extrémités de la carrosserie, cette nouvelle Mégane bénéficie d'un empattement de 2,70 m pour une longueur totale de 4,21 m. C'est un vrai plus pour le confort, d'autant plus que le train arrière multibras garantit un virage à plat et une absence de roulis. De quoi profiter en toute sérénité des bienfaits de la motorisation électrique comme l'accélération instantanée. Cette nouvelle Mégane E-Tech électrique avale le 0 à 100 en 7 secondes 4 seulement, comparable à une petite GT. Cette nouvelle Mégane mesure 1,50 m de haut et bénéficie d'un aérodynamisme très travaillé. Elle glisse dans l'air et dispose d'un système d'insonorisation spécifique breveté, composé de mousse compressée positionnée entre le plancher et la batterie. Grâce à cela, le confort acoustique en roulant est vraiment d'un très bon niveau. Les sensations de conduite sont évidemment personnalisables à travers le Multisense, accessible directement par un bouton positionné sur le volant ou bien sur l'écran Open Air et son système Open Air Link. Vous avez certainement remarqué les deux petites palettes qui se trouvent juste derrière le volant. Alors, elles ne sont pas là pour passer les rapports, mais elles servent à régler l'intensité du freinage régénératif. Pour rappel, à chaque décélération ou à chaque freinage, vous allez recharger votre batterie. Pour cela, vous bénéficiez de 4 modes qui servent à personnaliser votre conduite en ville comme sur route. Le fonctionnement est très simple et très intuitif. Avec la palette de gauche, on augmente l'intensité et avec la palette de droite, on vient réduire l'intensité. Un must. J'ai été ravi d'être impliqué à la mise au point de cette nouvelle Mégane E-Tech électrique. Les prestations sont vraiment à la hauteur de nos ambitions. Si je devais résumer en 3 mots, je dirais silence, confort et dynamisme. Un dernier mot sur l'autonomie. Elle varie selon la batterie choisie lors de l'achat. 300 km WLTP sur la version 40 kWh et jusqu'à 470 km WLTP sur la version 60 kWh. D'ailleurs, je vois qu'il me reste pas mal d'autonomie. Je ne lâche pas le volant et je retourne sur la route avec plaisir. À bientôt !